tous. Merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. Et le match est donc lancé. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Je pense à Toni Kroos. C'est vraiment un milieu de terrain moderne. Ses passes sont souvent parfaites et elles amènent souvent des buts. Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Le gardien loin devant. Thiago. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage... Attention! Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. Ça joue long vers l'avant. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Quelle fait du bien, cette interception. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Lewandowski, qui choisit de jouer en retrait. C'est plutôt intelligent. À la barre. Il joue dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. La passe est précise. À la barre, qui centre. C'est dégagé, loin devant. Raphaël Varane, qui cherche la faille. Müller, c'est récupéré facilement. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Thiago, il glisse le ballon en profondeur. Il fait du bien, ce tacle. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Hazard. Il était bien présent. Le long dégagement du gardien. Oh, Lewandowski. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la surface. Oh, l'inspiration. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Pas de surprise, pendant la pause, le tableau d'affichage indique toujours 0-0. C'est une occasion, ça! Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah! Ça aurait pu faire mieux, je ne sais pas passer loin. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. C'est joué long, attention, ça passe dans l'axe. Bien servi, Müller. Oh, le but, c'est extraordinaire. On vient d'attaquer la seconde période et il est déjà en feu. C'est le contraire qui aurait été surprenant venant de lui. But magnifique. Quel geste, c'est sublime, terrible pour le gardien. Quelle qualité technique, surtout quel coup d'œil. Il a parfaitement vu le gardien avancer. C'est un but magnifique. 1-0, on est reparti. Je ne sais pas ce que le manager leur a dit à la pause, mais ça a marché.
1-0. Oh, le bon ballon. Coup de sifflet, hors jeu. Alors là, ça s'est joué à un cheveu. Modric. Un centre. Quelle frappe. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Le bon dribble. Ce contre peut très bien aller au bout. Il a le champ libre. Un grand dégagement le plus loin possible. Raphaël Varane qui choisit le côté gauche. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Va-t-il en profiter? Il hasard. Oh, c'est dedans. L'égalisation pour le Real Madrid. De très très loin, il n'a pas eu peur. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. Un peu de coaching, c'est bien. Le jeu reprend sur un score de parité. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Bien joué, ça. Il est bien placé. Attention, coup franc dangereux à suivre. L'arbitre est généreux, toujours pas de carton, et pourtant ça méritait une sanction. Il avait déjà été averti oralement, mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Hasard, et un but. Splendide. C'est un but phénoménal. Yes, 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 yes. Quel comeback. Oh, quel geste, c'est magnifique. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Les voilà avec un petit but d'avance. Ils ne baissent jamais les bras, ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés, les voilà maintenant devant. Plus que le gars. Oh, la frappe. Ça aurait pu sceller le résultat. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. À toute vitesse vers la surface. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. L'ouverture lumineuse. L'ouverture sur le côté. Jérôme Boateng qui récupère ce ballon. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le centre est tendu. Il y a danger. Jusqu'au bout. Et c'est un but. Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant deux buts d'avance. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs.